la guerre entre les Anglais et les Chinois en québécois. Les Anglais ont formé une coalition en 1904 afin de faire la Première Guerre mondiale et tuer des millions de Chinois. Ensuite de ça, 1904 à 1908. On nous rapporte en 1938 jusqu'en 1944. Encore une fois, les Anglais font une coalition puis attaquent les Chinois avec des canons et tuent des millions de personnes. Hong Kong, Macao, implantent des colonies. Système anglais. En 2020, les Chinois reprochent au Canada, à l'Australie, aux États-Unis d'avoir tenu l'esclavage pendant 400 ans et enchaîné des centaines de millions de personnes noires et d'avoir génocidé 120 millions d'Autochtones, Premières Nations aborigènes de l'Amérique, pour établir leur colonie anglaise. Pendant ce temps-là, les Anglais accusent les Chinois de génocide envers les musulmans en Chine. Mais la population musulmane a grandi de 15% à chaque année et la population autochtone, elle a grandi pas de 15% à chaque année, toujours pas d'eau courante, eau potable et des hôpitaux pour que les femmes puissent donner naissance. Dans certains cas, les Autochtones doivent marcher 2 jours pour trouver un hôpital pour donner naissance. C'est leur terre. Ils ont été placés dans des camps de concentration, sans eau potable, sans hôpitaux. Les Juifs, ils en ont tué 6 millions. Ils leur ont donné Israël, qui est des terres qui avaient été saisies par la reine d'Angleterre. Et ils leur ont donné plus que l'eau potable. Ils leur donnent 81 milliards de dollars d'armes à chaque année pour se défendre contre la Palestine. Donc, il est temps de redistribuer aux Noirs et aux Autochtones de l'Amérique. Et vous pouvez faire les plaintes que vous voulez envers la Chine, mais rappelez-vous que le Québec n'a pas d'armée. Et que le Canada non plus n'a pas d'armée. Une couple de gars avec des 303, il y a un bateau, un porte-avions, là. C'est Peter McKay qui leur ont fourni. Un ancien lobbyiste militaire de l'armée américaine qui avait réussi à rentrer en politique après un passé militaire comme ministre de la Défense. Bravo. C'était pas légal, mais bravo. On peut pas être ministre de la Défense si on a déjà tenu un poste non neutre. On peut pas être un ancien vendeur d'armes pour l'armée américaine et être ministre de la Défense. Un lobbyiste doit être neutre. Relations publiques neutres. Il ne peut pas avoir pris d'engagement dans les guerres. Mais bon, ils voulaient un porte-avions, ils ont eu leur porte-avions. Paul Martin a laissé 5 milliards derrière. Et eux, ils ont acheté un porte-avions. Ceci dit, c'est ça l'histoire entre la Chine et les États-Unis et le Canada et l'Australie. Toutes les grandes nations ont génocide. Mais personne n'a jamais dit rien, quoi que ce soit, aux colonies anglaises pour le continent de l'Amérique et la destruction de tous les animaux et la façon de vivre autochtone, en terre autochtone. Pourquoi tu penses que 80% des Québécois ont les yeux bruns? Ils viennent d'Europe. Ils sont supposés avoir des yeux verts, des yeux bleus. Québécois, la plupart ont des yeux bruns parce qu'ils ont une grand-mère autochtone ou un membre de la famille autochtone. Le camping, la pêche, la nature, la distance entre les habitants, ça existe nulle part d'autre qu'au Québec. Partout ailleurs, tout le monde est en tasse. Le Canada, c'est le Canada. Vive la Cour suprême du Québec en québécois pour le Québec. Québec libre, Québec neutre, Québec riche. Nous avons absolument rien à voir avec le Canada. Nous n'avons jamais voté. Québécois, voulez-vous faire partie du Canada anglais? Le Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne. On ne fait même pas partie du traité du Canada. Alors, s'il vous plaît, laissez le Québec en dehors de vos conneries, le Canada. Redonnez aux peuples autochtones de l'eau courante sur les réserves. Et arrêter le génocide du peuple autochtone avant de dire...
dire aux Chinois quoi faire.